Ça m'a fait plaisir de me replonger dans tous ces films tout au long de la semaine. Et en même temps, je sais pas quoi penser de cette idée de classement. Il y a ces films que j'adorais et que j'ai même pas cités dans mes vidéos. Il y a ces autres films qui n'ont pas décroché leur place dans mon top 7 et pourtant ils le méritaient sûrement. Ça me fait aussi bizarre de me dire que pour l'instant, aucun des films qui constituaient mon top 7 il y a presque 10 ans n'a su garder sa place. Enfin, peut-être que pour la dernière, je pourrais faire une exception. Into the Wild, sorti en 2007, est réalisé par Sean Penn. J'ai l'impression que depuis le début de cette série de vidéos, c'est le film que j'ai le moins besoin de présenter. Il s'agit de l'adaptation de l'histoire vraie de Christopher McCandless, un jeune diplômé à l'aube d'une vie toute tracée, qui va partir à l'aventure, changeant même de nom, et arpenter les États-Unis avec pour objectif final le Nord, l'Alaska. Encore une fois, ayant découvert ce film à 17-18 ans, il a eu beaucoup d'impact sur moi. C'est une véritable invitation au voyage, et la BO d'Eddie Vedder y est pour beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de le retrouver il n'y a pas si longtemps. C'est de nouveau un film que j'ai regardé en boucle, mais ça ne me suffisait pas. Ça avait fait naître chez moi une soif de récits de voyage. J'ai d'abord voulu lire le récit dont est tiré le film, puis d'autres livres de voyage, d'aventure, de reconnexion à la nature. Inévitablement, ça a aussi conditionné mon goût pour certains films. Alors, même question que d'habitude, quelle recette pour accompagner ce film ? Dès les premières minutes du film, on est plongé dans la neige, l'Alaska. Cet environnement, beau mais très froid, au nord de l'Amérique du Nord, me fait penser à un plat chaud et réconfortant. Un plat québécois, ou plutôt LE plat québécois, la poutine. La poutine, dans sa forme simple, c'est des frites, de la sauce brune, et du fromage en grains, appelé aussi Quick Quick. En France, on a difficilement accès à ce fromage traditionnel, alors je vais essayer une alternative qui risque d'être considérée comme un sacrilège. Mais bon, j'avais pas le choix que de parler de ce film pour la dernière vidéo de cette série, et je me vois pas cuisiner autre chose qu'une poutine pour l'accompagner. Les frites, c'est la partie où je vais le moins m'embêter. La découpe n'a pas tant d'importance, ce qui va vraiment compter, c'est qu'elle soit bien croustillante, pour faire un contraste avec la sauce et le fromage. Pour la sauce, je vais commencer par faire fondre du beurre dans une casserole, avant d'y faire revenir de l'ail et de l'échalote émincée. Je vais ensuite rajouter l'équivalent de beurre en farine pour faire un roux, que je vais laisser brunir en remuant régulièrement. Une fois que c'est fait, je rajoute du bouillon de poulet de la recette des ramen. Normalement on utiliserait du bouillon de bœuf, d'où la couleur brune, mais autant utiliser un bon bouillon fait maison. Je laisse réduire jusqu'à ce que j'ai la consistance qui me plaît. Comme je l'ai dit, je ne vais pas utiliser le fromage québécois traditionnel pour ma recette. Donc, quitte à faire dans le sacrilège, autant tester quelque chose de sympa. Après avoir regardé une vidéo de Joshua Weissman sur le sujet, j'ai eu envie de tester la scamorza, ou mozzarella fumée. J'ai pu m'en procurer à la boutique Papa Milano à Rouen, que je recommande fortement. Je vais la découper en morceaux, que je vais griller sur un côté, pour donner un jeu de texture et un petit goût sympa. Poutine, c'est pas un plat facile à rendre sexy comme ça en vidéo ou en photo. Mais au moment où j'enregistre cette voix off, je peux vous dire que c'était vraiment bon et que c'était vraiment une très belle façon de terminer cette semaine de movie pairing. Et voilà, juste à temps pour la séance. I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow.